Je voudrais remercier le Seigneur pour ce qu'il a permis ce matin, que nous puissions nous retrouver, cette merveilleuse famille de Dieu. Regarde ton voisin, exprime-lui combien tu es content de le voir ce matin, surtout à tes côtés. Voilà. Salue-le très bien comme on salue un prince, comme on salue une princesse. Si tu n'es pas satisfait de la salutation de ton frère, dis-lui, mais on dirait que ta salutation n'est pas chaleureuse là. Hein? Voilà. Voilà, sans plus tarder, je vais, sous vos acclamations, s'il vous plaît, encouragez la chorale. Voilà, vous allez donner votre premier message ce matin. Alléluia. Merci Seigneur encore pour le don de l'Esprit que tu donnes à ton Église. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Parce que nous croyons qu'avec le Saint-Esprit, Seigneur, nous sommes capables d'être comme toi tu es. Et nous te bénissons, Seigneur. Alors descends sur nous, Saint-Esprit. Oui, descends sur nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, agis maintenant dans nos vies. Agis dans nos vies. Oui, Esprit de Dieu. Oui, descends sur nous. Descends sur nous. Esprit de Dieu. Oui, agis dans nos vies. Maintenant. Nous croyons que tu es là pour nous faire du bien, esprit de vérité, esprit d'amour, esprit de sagesse. Alors c'est toi que nous réclamons dans nos vies. Nous disons tout Saint-Esprit. Alors glorifie Jésus. À toi, agneau de Dieu. Oui, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous. Viens et agis dans nos vies. Esprit de Dieu, onction divine. Oh oui, descends sur nous. Esprit de Dieu, agis maintenant. Oh oui, agis dans nos vies. Esprit de Dieu, transforme-nous. Oui, nous croyons que tu es capable de transformer. Guitar.
avec la vie. Quand l'onction quelque part, un homme, une femme remplie de l'Esprit de Dieu ne peut pas rester tranquille. Le feu de Dieu brûle en lui. Tu bouges. Il est parlé de Samson, qui était même l'incarnation de l'onction. Il était agité d'un lieu à un autre lieu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais parler de l'onction pour manifester la vie de Dieu. L'onction pour vivre sur la terre comme Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. L'onction pour opérer sur la terre exactement comme Dieu aurait opéré s'il était sur la terre aujourd'hui. Onction pour opérer à Dakar, au Sénégal, exactement comme Jésus opérait à Nazareth, à Capernaum, à Bethsaïda, à Jérusalem et dans le Jourdain. L'onction pour manifester la vie de Dieu sur la terre. Manifester la vie de Dieu dans ta famille. L'onction pour manifester la vie de Dieu à l'école, dans ton lieu de travail. Que les gens te regardent, qu'ils se posent la question. Il est qui, en réalité? Quel est ton secret? Pourquoi il est comme ça? Parce que nous sommes fatigués de voir des gens qui disent qu'ils ont l'onction, mais quand vous regardez leur vie, ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Vous vous demandez s'il est chrétien ou s'il est un païen. Alléluia. Quand vous les écoutez parler, vous vous posez la question. Avant, est-ce qu'ils sont à l'église? Quand à l'église, ils tiennent un langage religieux. Mais en dehors de l'église, ils tiennent un langage païen. Ils parlent comme un païen. Ils regardent comme un païen. Il agit comme un païen, il a un comportement de païen, il s'habille comme un païen, il marche avec les païens, ses meilleurs amis, c'est les païens. Cela n'est pas l'onction. Cette onction ne vient pas de Dieu. L'onction, quand l'onction de Dieu vient dans notre vie est conforme à la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est de cela que nous voulons parler. Parce que tout le monde parle de l'onction. L'onction aujourd'hui est le sujet le plus prêché dans l'église de ces derniers temps. Vous avez beaucoup entendu parler d'onction. Tous les prédicateurs du monde entier prêchent sur l'onction. Les chants aiment l'onction. Les musiciens aiment l'onction. Même les choristes aiment l'onction. Alléluia. Il faut aimer l'onction. Mais il faut s'attacher à la véritable onction. À l'onction qui émane de Dieu, qui quand il vient, change les choses. Cette onction, quand elle descend sur toi, ta vie n'est plus la même. Je l'ai dit hier, à la rencontre des femmes à la prison, alors que j'exhortais à la prison des femmes, puisque les femmes des samedis avaient là-bas un programme, je l'ai dit, lorsque l'homme de Dieu croit ce jeune Saoul qui n'était qu'un petit enfant qui cherchait les adresses de son père, il lui dit, tu vas rencontrer trois personnes et ta vie va changer. Tu seras changé en un autre homme. L'onction nous amène à devenir un autre homme. À changer complètement, de manière radicale. La même personne qui nous a vu hier alors qu'on n'avait pas encore l'onction, quand nous la rencontrons demain, après qu'on ait reçu l'onction, la personne se pose la question, est-ce que nous sommes la même personne? Hier, c'est un jeune homme qui cherche les adresses de son père. Aujourd'hui, il rencontre l'onction. Demain, il est roi d'Israël. Ça, c'est l'onction qui peut le faire. Que quelqu'un dit l'onction. Alors, comment la raison de prier avec nous et pour nous, pour que l'onction descende sur quelqu'un? Que l'onction descende sur la chorale, répétée sur le groupe de louange qui va chanter.
les paralytiques vont commencer à marcher. Ah oui, c'est cette petite tension dont nous parlons ce matin. C'est cela que nous désirons. La Bible nous dit David était ouin d'emplir l'Esprit de Dieu. On avait mis l'huile d'onction sur la tête de David. L'huile a coulé à travers le corps de David jusqu'au point de sa robe. Et la Bible nous dit, alors que Saoul était possédé de démons, quand David jouait la musique, chantait, les démons quittaient le corps de Saoul et ils partaient, ils fuyaient. C'est ce que nous voulons. Musicien de Bethel, chante de Bethel, choriste de Bethel, assemblée de Bethel, c'est là à ce niveau de tension où nous voulons arriver. Est-ce un mal de vouloir arriver à ce niveau? S'il faut jeûner pour en arriver là, nous allons jeûner. S'il faut prier, nous allons prier. S'il faut lire la Bible matin, midi, soir pour en arriver là, nous allons le faire. Ça ne sera plus l'affaire du pasteur ou des anciens ou des diacres, mais l'affaire du plus petit chrétien de Bethel. Car si hier l'onction était répandue sur une catégorie de personnes, aujourd'hui l'onction est répandue sur tout le monde. Alléluia! L'onction est promise à tout le monde dans l'église. Tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que mon Dieu les appellera. Ils peuvent toucher l'onction, entrer dans l'onction, baigner dans l'onction. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es concerné par cette affaire. Ah oui, et c'est de toi qu'il s'agit, car David est mort, il est enterré, et son histoire est derrière nous. Mais aujourd'hui, il est question de toi. C'est toi qui dois être le David de ta génération, le David de ta famille, le David de ton gouvernement. Quand le gouvernement commence à déconner, qu'il y ait des David qui se lèvent avec l'instrument de la louange. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. L'onction pour la manifestation de la vie de Dieu. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 1. Je retourne au commencement. Il est dit au commencement de toutes choses, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe, sans forme. La terre n'avait aucune forme. Comme ceux d'entre nous ce matin. Qui mène une vie qui n'a aucune forme. On ne peut même pas te supplier. Aujourd'hui, tu es chaud, demain, tu es froid. Après, demain, tu es tchèque. On ne peut même pas te faire confiance. Parce qu'on ne sait pas si tu vas rester ou tu vas partir. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne peut te faire confiance. Et cette attitude gangrène ta vie. Même à l'école. Aucun professeur, aucun de tes professeurs ne peut te faire confiance à 100%. Les gens doutent de toi. Parce que tantôt tu es engagé, tantôt tu n'es pas engagé. Aujourd'hui tu es engagé, demain tu te désengages. Ta vie est sans forme. Ton caractère est sans forme. On ne peut pas dire de toi, c'est un fidèle. Vous savez, c'est vrai, nous appelons tous les chrétiens les fidèles. Ah, les fidèles de mon église. Mais souvent, ce n'est pas tous les fidèles de notre église qui sont des fidèles. Hein. Non, ce n'est pas tout le monde ici qui sont fidèles. Parce qu'on n'est pas fidèles. On n'est pas fidèles seulement par le nom, par le titre. C'est comme le terme chrétien. Comme Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est comme Christ. Mais tout le monde se dit chrétien. Il suffit de naître dans une famille dite chrétienne entre griffes. Elle dit, je suis chrétien. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Et Jésus l'a dit. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y a une catégorie. Il y a un groupe parmi eux à qui je dirais bon et fidèle serviteur. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui agissent conformément, en d'autres termes, ceux qui manifestent la vie de Dieu. Ce
manifeste mon caractère, ceux qui parlent comme moi, ceux qui vivent comme moi, ceux qui ont le caractère que j'ai démontré alors que j'étais sur la terre. Ceux qui sont comme moi, exactement comme moi. Et les gens du monde même disent que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors ceux qui se ressemblent à Dieu vont s'assembler avec Dieu. Mais ceux qui ne ressemblent pas à Christ ne vont jamais s'assembler avec Jésus. Il va séparer la foule en deux. Un groupe sera à sa droite et l'autre groupe sera à sa gauche. Pèse à Dieu que nous soyons tous à sa droite. Alléluia. La terre était informe et vide. Il n'y a rien dedans. Vide. Comme certains chrétiens dans l'église aujourd'hui qui sont vides parce qu'ils ne sont pas remplis. En fait, si tu n'es pas rempli, tu es vide. Dis à mon voisin, tu es rempli, tu es vide. Quelqu'un va dire, moi je suis demi-vide, demi-rempli. Mais si tu es demi-rempli, c'est que tu es aussi demi-vide. C'est ça. Alléluia. Le psalmiste dit, où est-ce ma tête? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est moitié rempli ou moitié vide? Non, qu'est-ce qui se passe? Et ma coupe fait comment? Ça déborde. Dis, où est-ce ma tête? Lorsque l'onction est sur la tête de quelqu'un, sa coupe, elle est pleine. Parce que Dieu ne donne pas à moitié. Quand Dieu donne, il donne en abondance. Il dit même la vie éternelle, la vie, Jésus dit, la vie que je donne, je la donne en abondance. Et quelqu'un dit abondance. J'entre aujourd'hui dans l'abondance de Dieu. Dans l'abondance du Saint-Esprit. Ah, j'aime le Seigneur. Il n'est pas comme les hommes qui te donnent en calculant que tu n'es pas plus que eux. L'homme, quand il te donne, il calcule bien. Il ne faut pas que je lui donne et que demain je me retrouve chez lui à te le demander. Donc je calcule. Je lui donne ça, je serai toujours. Voilà, j'aurai toujours plus que lui. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Même son fils, quand il a donné Jésus, est-ce qu'il lui est resté quelque chose derrière? Il n'a rien gardé derrière. Il n'y avait plus de fils à la maison. La maison était vide. La place qu'occupait son fils était vide. Il n'y avait plus rien, ni personne. Quand Dieu donne, il te donne en abondance. C'est pourquoi, quand un chrétien est béni, vous rencontrez un chrétien qui est béni, il est vraiment béni. Croisez Abraham. Regardez le troupeau d'Abraham. Le nom de ses serviteurs. Les enfants de ses serviteurs. Ce qui s'est né dans la maison d'Abraham, c'est l'abondance. Dans tous les domaines, c'est l'abondance. Que quelqu'un dise encore l'abondance. Ah, pendant que je prêche, je vois beaucoup de gens qui peignent dans l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'aime les anglophones. Parce que quand je dis abondance, là, il saisit l'abondance. Il dit abondance, il saisit, il met là. Et c'est les francophones qui disent abondance, abondance, c'est pas abondance. Ça, c'est le démon de la francophonie. C'est le démon de la francophonie. C'est pourquoi Dieu a de la difficulté, le Saint-Esprit a même de la difficulté à opérer au sein de la francophonie. Parce qu'il croise le démon de l'incrédulité, le démon qui relativise toutes choses, le démon qui ne croit pas facilement. Démon, le chasse au nom de Jésus. Là, tu commences à sortir de là. Comme le Rwanda. J'étais au Rwanda, j'ai vu comment cette ville est en train de se développer, ce pays est en train de se développer. J'ai dit, mais quel est le secret que nous avons quitté la francophonie? J'ai dit, ah bon, vous au moins vous avez compris quelque chose. Que quelqu'un dise abondance. Que quelqu'un dise abondance. Que quelqu'un dise plus fort abondance. Je plains dans l'abondance de l'onction. Je refuse une mesure d'onction. J'aime Élisée. Quand il suit Élie, il ne lui demande pas une partie de son onction. Il ne lui demande pas un pourcentage de son onction. Il ne lui demande pas une petite quantité de son onction. Il lui dit le double de ce que tu as. Et laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. L'onction que Dieu a prévue pour ta vie est supérieure à
l'onction qu'Élisée avait. On parle plus de double ou de triple portion, mais on parle de l'onction en abondance. Ce qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples, ce n'était pas une portion. Ce n'était pas deux portions, ce n'était pas une double portion. C'était l'Esprit en abondance. C'était la totalité du Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là sur les disciples. Et ils ont manifesté la vie de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Non, j'ai dit Alléluia. Bien-aimés, regardez-les. Tous hommes. La Bible dit Jésus a prié toute la nuit. Toute la nuit. Et le matin, il a choisi ses 12 hommes. Mais lorsque nous évaluons la vie de ces 12 hommes, mais ils étaient quoi? Des pêcheurs de la Galilée. Sans instruction. Sans recherche. Sans moyens. Ils avaient quoi? Ils étaient qui? Qui les connaissait pour impacter le monde? Qui? Personne. Vous prenez Pierre, un pêcheur de poissons. Jésus arrive, il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Vous prenez Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Hein? Fils de Zébédée. Des terroristes. Ils voulaient tuer les gens. Des gens méchants comme ça. Jésus les choisit dans son groupe. Vous prenez Matthieu, un collecteur d'impôts. Il travaille pour Rome, un traître. Parce que les gens là, c'est comme ceux qui ont aidé les blancs à nous coloniser dans le passé là. C'était les traîtres. Souvent on voit seulement les blancs. C'est là que fait la collaboration des Africains. Allez-y à Gorée, on va vous dire comment le rôle que nous avons joué pour vendre nos parents. Les traîtres ont vendu leurs parents. Ils ont vendu leurs nièces, leurs neveux. Hein? C'était les traîtres. Ils ont travaillé avec le colonisateur. Et lui, il faisait partie de ces gens-là. Matthieu, travaillait pour Rome. Mais Jésus l'a choisi quand même. Ah, c'est pourquoi, quel que soit qui tu es, d'où tu viens, cela importe peu. L'onction va te localiser. Ah, l'onction de Dieu ne regarde pas ça. Parce que l'onction n'est pas du domaine du charnel. Quels sont les critères de choix? On ne voit aucun critère. Rien! Pas de critères sérieux pour choisir ces 12. Simplement que la grâce de Dieu les a localisés. C'est pourquoi la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les peuples, a été a été manifestée. Et la grâce de Dieu va te localiser. Et l'onction de Dieu va descendre sur ta vie de manière abondante. Que quelqu'un dit abondante, de manière abondante, de manière abondante. De manière abondante. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces 12 hommes ont changé le monde. Alléluia. Jésus a dit à ces 12, hein, allez et changez le monde. C'est ça, non? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez et changez la vie des peuples. Changer leur mentalité, changer leur façon d'être et leur façon de faire. Allez et prenez les nations. Et c'était un commandement. Et un commandement, on ne le discute pas. Un commandement, un pays. Alléluia. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient combien? 120. 120. Pourtant, par la suite, il a choisi les 12, mais avec les 12, c'est les foules qui les suivaient. Amen. C'est la foule qui a mangé le pain. 5000 sans compter les femmes et les enfants. Mais où était cette foule? Il n'y avait que 120. Je prie que tu fasses partie de ces 120 ce matin. Alléluia. 120, mais 120, même c'est petit, pour prendre le monde. Mais quand l'Esprit Saint est descendu sur les 120, la Bible nous dit que les 120 ont changé le monde. Amen. Quelqu'un dit onction. L'onction peut tout changer. L'onction de Dieu, quand il est dans la vie de quelqu'un,
Cette personne qui était zéro, il devient héros. Voilà ce qui se passe. L'onction de Dieu est définie comme l'investissement de Dieu en nous. L'onction de Dieu est définie comme ce que Dieu met en nous pour nous introduire dans l'extraordinaire. L'onction de Dieu aussi est définie comme étant ce que Dieu met en nous, la touche de Dieu, pour nous introduire dans le surnaturel. Notez ici, le surnaturel n'était l'extraordinaire. L'onction de Dieu trouve une personne ordinaire et fait de cette personne une personne extraordinaire. Dis avec moi, je quitte l'ordinaire ce matin. Non, tu ne l'as pas dit fort. Je quitte l'ordinaire ce matin. Dis à ton voisin, mais ta vie est trop ordinaire. Non, quitte l'ordinaire. C'est fini. Quitte l'ordinaire, ma soeur. Quitte l'ordinaire. Chorale de Bethel, quittez l'ordinaire. Musicien de Bethel, quittez l'ordinaire. Entrez dans l'extraordinaire. Alléluia. C'est ça l'onction. L'onction te fait quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. L'onction de Dieu te fait quitter le naturel pour le surnaturel. Pour la parler, on pensait que c'était ton Dieu. On l'a même appelé ton nom d'un Dieu. Parce qu'il n'était plus dans l'ordinaire. Il était désormais dans l'extraordinaire. C'est ça l'onction de Dieu. Retournons dans Genèse chapitre 1. Retournons dans Genèse chapitre 1. La terre était informée, vide. Et regardez, il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Tout ce que Dieu fait est parfait. Il y a une tache noire ici. C'était les ténèbres. C'est comme ça que dans la vie de beaucoup, il y a des ténèbres. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ta vie, il y a des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Il y en a qui parlent de vie privée. Le chrétien n'a pas de vie privée. La Bible dit, nous sommes des lettres écrites qui doivent être lues par tous. Des lettres publiques. Nous avons une vie publique. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as plus de vie privée. Parce que tu es dans l'extraordinaire. Quand on est dans l'extraordinaire, on n'a plus de vie privée. Quand on est dans le surnaturel, on n'a plus de vie privée. On n'a plus rien à cacher. Rien à cacher. Frère, je vais venir te visiter. Tu lui dis, viens avec quelqu'un. Et quand le frère arrive, tu as déjà appelé la soeur X, Y ou Y. Tu lui viens parce que je reçois la visite de deux frères. Amen. Il faut que vous soyez témoins de ce qui va se passer chez moi. Pour que demain, on ne dise rien de moi. Parce que je veux garder ma bonne réputation. Je veux garder mon bon témoignage. Parce que la vie chrétienne est un témoignage. C'est le message le plus puissant. Ta vie, ta réputation. Un témoignage, c'est le message le plus puissant. Si tu ne connais pas Jean 3,16, ce n'est pas grave. Si tu mènes une vie correcte, avec un bon témoignage, ça suffit pour gagner des âmes. Parce que quelqu'un va s'attacher à toi un dimanche matin, il dit, je veux aller avec toi. Je veux découvrir le secret de cette vie que tu mènes. Laisse-moi aller avec toi. Le fou de Gadara, Jésus n'a pas prêché à ce fou. Non, Jésus a manifesté la vie de Dieu. Le fou s'est levé et dit, laisse-moi aller avec toi. Je vais aller avec toi. Là où tu iras, là, je vais aller là. Naomi n'avait pas de Bible, comme vous. N'avait pas de tablette. Non, n'avait pas de pasteur. Non, qui criait sur lui matin, midi, soir. Elle n'avait pas de coach. Mais tu es un prophète. Tu es un coach, tu es un pasteur, hein? Tu es
cache là-bas, il y a quelqu'un que tu appelles. Pour dire, prie pour moi. Tu as tout ça. Et tu ne vis pas comme cette femme, cette vieille femme juive qui a influencé Ruth. Au point que Ruth lui dit, ne m'empresse plus de te laisser. Je ne peux pas t'abandonner. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu, là maintenant, elle met la barre haute. Ton Dieu sera désormais mon Dieu. Combien de personnes t'ont tenu sur la rage là depuis que tu es chrétien? Combien de personnes t'ont regardé, observé dans ta famille et ont dit, où tu iras, nous irons avec toi. Où tu demeureras, nous demeurerons ou nous resterons en contact. Même si tu es au Sénégal, on va rester en contact avec toi. Prends mon numéro. Tiens, on va rester en contact avec toi. Parce que tu as cette chose-là qui nous a impacté, qui nous a changé. On va rester en contact avec toi. Même la distance ne pourra pas nous séparer. Ton peuple sera mon peuple. Et cette personne, tu le rencontres, il dit, je suis le parent de un tel. Je suis le parent de Jojo. Même s'ils ne sont pas parentés, je suis son parent. Parce que Jojo est l'homme qui l'a impacté, qui l'a marqué. Il a décidé d'intégrer la famille de Jojo. Parce que quand les Jojo, là, il agit. Alléluia! Plus encore, il dit, ton Dieu, dis-moi, tu pries où? Tu pries où? Qui est ton pasteur? Où est ton église? Même si vous n'êtes pas dans le même pays, vous dites, dis-moi s'il y a une église comme ton église ici au Congo. Dis-moi s'il y a une église comme ton église ici en Côte d'Ivoire. Ici dans le Haut-Togo. Est-ce qu'il y a une église comme ton église? C'est là où je veux prier. Dans une église comme l'église de Jojo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne parle pas de cette option, on parle en langue, on rentre, on est dans les publicités, dans le mensonge, dans les critiques, dans les calomnies. Ça, c'est l'option diabolique et satanique. Ça, c'est pas le son authentique. Le son authentique, tu parles, on t'observe, on t'écoute, on te regarde vivre, on dit, ya, on va aller, on fait comme toi. Où tu iras, nous irons. Où tu demeureras, nous demeurerons. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Les gens quittent l'islam, les religions traditionnelles, et soient en train de vous suivre. Cet homme a dit à Jésus, je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi. Laisse-moi aller avec toi. Voilà ce qui manque à l'église d'aujourd'hui. On parle plus l'onction qu'on le vit. 90% de ceux qui parlent d'onction n'ont rien comme onction. Parce qu'ils ont réduit l'onction au parrainage. Qui n'est que le signe initial, primaire, élémentaire. Si ton onction est remplie du Saint-Esprit, c'est seulement parler en langue. Sache que tu es au préscolaire du christianisme, de la spiritualité. Tu es au préscolaire. Tu es au préscolaire. Quitte le préscolaire. Va au moins au primaire. Après le primaire, va au secondaire. À longueur de journée. Et ta vie, elle est sale. Ton témoignage est sale. Tu n'as jamais impacté qui que ce soit. Même s'il arrive que tu as amené quelqu'un à l'église, même quand la personne arrive à l'église, après quelque temps, toi-même qui l'a amené à l'église, tu l'as détruit. Il y a des gens comme ça. Ils t'amènent à l'église, mais c'est les mêmes aussi qui vont te détruire. Ils vont te détruire avec leur bouche. Leur calomnie. Parce que devant la personne que tu as amenée à l'église, tu commences à parler mal de l'église. La personne va fuir. Donc il m'a induit en erreur alors. Ça, c'est pas l'onction. Cette onction n'est pas authentique. Vous savez, le diable, c'est le singe de Dieu. Il fait ce qu'il voit Dieu faire. Et le singe de Dieu dit à quelqu'un onction. Onction! La ténèbre est forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là. La terre était informe, mais l'Esprit de Dieu était là. La terre était vide, mais l'Esprit de Dieu était là. Il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était là. Et la question que je me pose, pourquoi, malgré la présence du Saint-Esprit, rien n'a changé? Parce que le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de ce qui sortira de ta bouche. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. La parole, c'est le véhicule par lequel le Saint-Esprit opère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lisez le verset 3. L'Esprit de Dieu est là. Mais il y a les ténèbres, il y a le vide, il y a le chaos. C'est comme l'église africaine aujourd'hui. On parle beaucoup d'onction en Afrique. L'Afrique est le continent où on parle plus d'onction. On fait tomber les gens tous les jours. Mais là, on a des soldats dans toutes les églises maintenant. Quand on prend le micro, ils se préparent. Et il y en a qui jouent le jeu maintenant. Même s'ils ne sont pas touchés, ils tombent quand même. C'est tout lorsqu'ils savent qu'il y a quelqu'un derrière eux. Pour les capter. Ça, c'est de la comédie spirituelle. C'est de la comédie. Ah, j'ai envie de laisser les gens véritablement tomber. Parce que je suis que si Dieu te fait tomber là, réellement, tu ne vas pas te blesser. Non! Maintenant, si toi-même tu tombes toi-même, tu vas te bientôt casser la tête. Et c'est bon. Comme ça, la prochaine fois, tu vas tomber seulement quand Dieu te fait tomber. Parce que quand c'est Dieu, tu ne calcules rien. Que quelqu'un soit derrière ou pas, tu vas tomber. Parce que ça ne vient pas de toi. Tu ne contrôles pas cette face qui te fait tomber. Quand on la contrôle, c'est que cette face est humaine ou satanique. Quand on tombe seulement parce qu'il y a quelqu'un derrière, hein, où on dit, ah, aidez les frères, et puis on se met derrière toi. Quand tu regardes comme ça, tu vois un frère dire. Ça, c'est pas l'option. C'est pas le jeu. C'est de la comédie. L'église est remplie de comédiens aujourd'hui. De comédiens et d'enfantillage. Pas de maturité en Afrique. Ça se passe ici chez nous en Afrique seulement. Je vais dans les pays des blancs. Je vois l'onction dans se manifester de manière puissante. Ils bâtissent des immeubles. Ils construisent des véhicules. Des trains. Ils construisent des rues. Leur église est propre. Ils amènent des chaînes sous l'onction. Ils donnent des dîmes sous l'onction. Ils voient un problème dans l'église. Ils vont le résoudre sous l'onction. Et l'onction qui nous fait tomber seulement. Quand il n'y a plus de micro, personne ne paye un micro. Quand il n'y a plus de chaise, personne ne paye une chaise. Parce que pour nous, Africains, l'onction ne fait pas ça. Ça, c'est quelle onction? Ça, c'est quelle onction? Une onction africaine, du Saint-Esprit, la version africaine du Saint-Esprit, ou la version chinoise. Et voyez ce même frère ou soeur qui manifeste l'onction. Dès que 2 mois, 3 mois, tu dis où est le frère? Tu ne le vois plus, il a disparu. Il a disparu. Que Dieu nous aide. Mais c'est triste. La version africaine de l'onction est une fausse marque de l'onction. Parce que pour nous, l'onction, c'est pour opérer comme les satanistes, les devins, les sorciers. J'aime l'apôtre Jude Benjamin Moi, président des assemblées de Dieu du Gabon, la manière dont il définit la situation de l'église africaine aujourd'hui. Il dit en fait, ce sont les Nganga, les chefs de Nganga, qui ne recevaient plus quelqu'un chez eux à cause des pentecôtistes. Donc ils sont venus dans nos villes créer aussi des églises et continuer les mêmes pratiques de sorcellerie. Ils ont juste quitté le bois sacré et ils sont venus. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en garde. Et que Dieu bénisse l'église africaine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous dénonçons ces choses parce que nous avons une belle vision pour l'Afrique. Mon cœur vibre pour l'Afrique. Je suis fier et je le dis partout où je vais. Fier d'être africain. Je suis bien aimé. Il est temps que ça change. Qu'on voit un frère qui se convertit ici à l'église. Tant qu'il est là, il est vivant, les années passent. Il est chrétien à l'image de cet homme. À l'image de Papa 6. Même hier,
Il m'a appelé tard la nuit pour me dire, pasteur, si vous ne me voyez pas à l'église demain, c'est parce que je suis au village et j'ai perdu mon neveu, papa 6. Voilà mon papa. Il fait partie des 8 qui ont créé cette église. Plusieurs années. Il est là. À l'étude biblique, il est là. À la prière, il est là. Au culte, il est là. Fidèle parmi les fidèles. Fidèle parmi les fidèles. Je ne peux compter sur des hommes comme ça. Des hommes comme ça, c'est des monuments. C'est des références. Ils n'ont pas reçu l'onction d'aujourd'hui. C'est la vieille école. L'onction authentique. Vous comprenez que le parrain, c'est juste le signe initial. Mais après, il faut développer un caractère. Il faut développer un comportement. 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, ils sont encore là. L'église là, alors que c'était 8 personnes, ils étaient là. L'église grandit aujourd'hui, on a plus de 1000. Ils sont là. Dieu peut compter. Ces gens ont l'onction. Même s'ils ne font pas le bruit comme vous, ils ont plus l'onction que vous. Ils sont plus loin que vous. Cette version, cette nouvelle version de l'onction, c'est une onction à la chinoise. Qui ne dure pas. Qui te refroidit. Il dit, tel maman a parlé, j'ai quitté l'église. Tel maman a parlé, je ne travaille plus. Je ne fais plus rien. C'est quelle onction ça que tu as reçu? Quelle onction? C'est une onction charnelle. L'onction sera persécutée. L'onction sera éprouvée. C'est comme l'or. L'or est éprouvé. L'or passe par le feu. Sinon, tu ne peux pas faire des bougies avec. Tu es de l'or. Nous sommes des vases utiles. Des vases honorables. Pour faire les vases, soit avec l'argile, mais l'argile va passer par le feu de la persécution. Tu dois être brisé par ton leader. Tu es comme de l'or, tu passes par le feu. C'est pourquoi un des symboles de l'onction, c'est le feu. C'est le feu. Tu dois passer par le feu, tu dois accepter le feu sur ta tête. Qu'on crache sur ta tête. Comme Jésus, tu dois accepter le fouet. Quand on te perce le côté, si tu n'acceptes pas ça, tu n'as pas l'onction. Ah oui. Ah, je ne suis pas ces pasteurs qui font des slogans. Je vais vous faire ceci. Je vais dire, yeah, yeah. Nous sommes là pour vous dire que vous allez passer par le feu. Le feu va éprouver votre onction. Le feu va traiter votre onction. Le feu va canaliser votre onction. Le feu va donner à votre onction sa vraie nature. Il n'y a pas d'onction sans feu. Que quelqu'un dise feu. Fire, comme disent les anglophones. Ah ah, j'aime quand les anglophones disent fire. Dans une église, il y avait là, il criait, ah, fire, 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 fire. Il y avait un fou qui était à côté de l'église. Et les entendait dire fire, fire. Quand un jour, le feu naturel a éclaté dans l'église, tout le monde a fui. Et le fou était là pour dire, pourquoi vous fuyez? Vous dites frère, 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 mais la frère est venue pour fuir. Et c'est ça, on est là, on dit le feu de Dieu, le feu de Dieu, l'onction, l'onction. Et quand sous l'onction, l'homme de Dieu prend des décisions, vous fuyez. Sous l'onction, pour éprouver, aiguiser votre onction, pour traiter votre onction, pour vérifier si vous avez la véritable onction ou bien la fausse onction, vous fuyez. Vous disparaissez. Vous commencez à aller d'une église à une autre église. Là où on dit, vous serez béni, vous allez voyager, vous allez vous marier. Tout le monde va se marier, mais on ne vit pas pour se marier. Et il y en a qui ne vont pas se marier. À l'apôtre Paul dit, il est préférable même de ne pas se marier. Et une fois que tu es marié, même s'il y a le feu dans ton foyer, tu vas rester marié. L'église ne reconnaît pas le divorce. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Même s'il y a le feu, c'est juste pour traiter ton onction dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne fuis pas parce qu'il y a le feu. Le feu vient pour purifier ta foi. Alléluia. La Bible nous dit, verset 3. Allez-y. Je dis, arrête-toi là-bas. Dieu fait comment?
onction pour parler. Quand tu n'as pas l'onction, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as pas l'onction, tais-toi. Car l'onction, ce n'est pas seulement le puits. L'onction, c'est la vie de Dieu. La partie la plus importante, c'est la deuxième partie. La vie, la manifestation de la vie de Dieu, du caractère de Dieu. Regardez, ici, il y a l'onction. Le Saint-Esprit se mouvoie. Mais rien ne change. Parce que Dieu cherche un canal. Dieu cherche un instrument. L'onction cherche un véhicule qui va parler. Je suis là. Il y a les ténèbres, il y a le chaos. La terre est sans forme. Rien ne bouge, rien ne s'améliore. Pourtant, l'Esprit de Dieu est là. Parce qu'il n'y a personne. Pourquoi? Il est apparu à Ésaïe au chapitre 6. Il lui dit, qui enverrai-je? Je n'ai personne. Qui enverrai-je? Ésaïe dit, je suis là. Envoie-moi. Et regarde ce que Ésaïe est devenu par la suite. Ah, je prie que tu arrives à ce niveau au nom de Jésus. Il aura prophétisé jusqu'à prophétiser de manière claire. Ésaïe 9, la venue de Jésus. La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable prince de paix, Dieu tout-puissant. Oh! Quelle prophétie! Une prophétie avec beaucoup de précision. Et il faudra que les prophéties aujourd'hui, hein? Dieu va visiter quelqu'un. Oh oui, dans une foule concrétée. C'est sûr que Dieu va visiter quelqu'un. Mais si c'est pas, si c'est personne d'autre avec moi, je sais que je ne serai pas seul. Parce que Dieu va visiter ses hommes. Et il va visiter beaucoup d'entre vous que je connais et qui mènent une vie claire. Qui vont amener à attirer le ciel vers eux. Dieu va aller visiter quelqu'un. Ça, ce n'est pas une prophétie. Sois clair. Ce n'est pas les prophéties de Dieu. On se renseigne, on fuit la vue des gens pour venir ici dire, il y a quelqu'un à l'école qui a triché. Parce que tu aurais appris qu'il a triché à l'école. Et que le bruit a couru partout. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une prophétie charnelle. C'est la version chinoise de la prophétie. Esaïe, quand il a croisé le Dieu du feu, le feu, il dit, mais les sont impurs, il dit, ceci a purifié tes lèvres. J'ai un problème avec ma bouche, elle s'ouvre quand je ne veux pas. Elle dit les conneries, les bêtises, elle décourage, elle tue. Je dis, Dieu met le feu sur sa bouche. Et toi, quand on met le feu, tu fuis. Esaïe n'a pas fui la maison de Dieu. Il a laissé le feu purifier sa bouche. Parce que sa bouche allait le détruire. Beaucoup d'entre vous ont été détruits par leur bouche. Pourquoi la Bible dit de tourner la langue cette fois avant de parler? Mais toi, tu ne la tournes même pas une fois. Quand ça arrive au sacre d'os, tu lâches comme une bombe. Boum! Et quand ça sort, tu ne peux plus rattraper ça. C'est pourquoi en série, on dit Odon Gidio. Odon Gidio. La bouche. Quand ça lâche la bombe, tu ne peux plus attraper la bombe. C'est parti. Tu ne peux plus corriger ça. Quand il faut tourner cette fois la langue avant de lâcher la boum. Parce que la parole, elle est puissante. Regardez le verset 3. Il n'y a rien. Mais la Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit, après, qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un dise, Dieu dit. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la lumière avait le pouvoir de ne pas apparaître? Dites-moi. Le Saint-Esprit est là. Il y a Dieu le Père à parler. Le véhicule de la parole est là. La lumière n'avait pas le choix que de paraître. Il y a des choses, si tu parles dans l'onction, les choses difficiles à obtenir, compliquées à obtenir, paraîtront. Paraîtront. Je dis bien ces choses, paraîtront. Lorsque tu vas ouvrir la bouche et tu vas appeler ce qui n'existe pas à l'existence, elles paraîtront. Que quelqu'un dise, elles paraîtront. Pour moi, elles paraîtront. Alléluia. C'est ça la vérité. Et ça depuis Genèse, le chapitre 1er. Dieu nous montre que sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Mais Dieu nous montre que le Saint-Esprit seul ne peut pas faire le travail. Le Saint-Esprit a besoin de ta vie. Offre-lui comme véhicule pour transporter la puissance de Dieu
vers les nations. Transportez la puissance de Dieu vers les peuples. Offre-lui ta vie pour transporter tes longs véhicules, les grâces de Dieu vers les peuples. Transportez la miséricorde de Dieu. Transportez l'amour de Dieu. Offre-lui ta vie. Et je dis, Dieu attend que tu te présentes. L'onction t'attend. L'onction pour la manifestation de la vie de Dieu. Hier, les femmes ont manifesté la vie de Dieu en allant en prison, préparer un repas. Mon cœur était touché hier. J'ai vu ces jeunes filles en prison. J'ai demandé à monsieur qui était à côté de moi, qu'est-ce que ces jeunes ont dû faire pour se retrouver ici? Des mamans avec des bébés, des grandes dames, elles étaient là. Les femmes de l'église les ont donné à manger. Ils ont amené du savon, de la boisson et toute autre chose, beaucoup de choses que vous avez donné. Et c'est ça, on a transporté la grâce de Dieu là-bas. Alléluia. Parce que nous sommes le véhicule qui transporte la miséricorde de Dieu vers les peuples. Saint-Esprit a besoin de toi. Sans toi, il ne peut rien faire. Mais sans lui, tu ne peux rien faire. Sans toi, il ne peut rien faire. Il est là, Genèse 1 et 2. Et le monde est un chaos. Le Saint-Esprit est là. Mais quand il y a la parole, quand Dieu a dit, tout est arrivé à l'existence. On va se mettre debout. Seigneur, aide-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Pas de la manière de la plupart des Africains. Tu dois dire à Dieu, je veux manifester l'onction. Pas comme on le manifeste de nos jours. Non, tu vas prier sérieusement. Pas comme on manifeste l'onction aujourd'hui. Mais comme on l'a manifesté, on l'a toujours manifesté. Depuis la jeunesse. Jusqu'aux actes des apôtres. Le temps manque pour entrer dans les actes des apôtres. Et vous amener à voir. Comment les disciples remplis du Saint-Esprit ont manifesté le caractère de Dieu, ont manifesté la vie de Dieu, ont manifesté la divinité, ont manifesté le surnaturel, ont manifesté l'extraordinaire. Lisez les actes des apôtres. Vous savez, un acte des apôtres ou acte du Saint-Esprit, ça marche. Si vous dites acte du Saint-Esprit, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais si vous dites acte des apôtres aussi, vous n'avez pas tort. C'est pourquoi je vous ai dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Et c'est ce que nous voyons dans le Saint-Esprit. Des hommes qui ont tendu la main d'association du Saint-Esprit. Ce qui était anormal, c'était de vivre sans l'onction. Aujourd'hui, vivre avec l'onction qui est extraordinaire. Vous compris. Quand quelqu'un est à l'onction, tout le monde dit, oh, il y a l'onction, il est extraordinaire. Non. D'accord, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est de vivre dans l'église et de vivre sans onction. Ou de vivre avec une fausse onction. L'onction qui n'aime pas le feu. Qui n'aime pas l'électricité. Qui n'aime pas l'opposition. Qui n'aime pas la persécution. Ça, c'est pas une bonne onction. C'est une fausse onction. L'onction aime l'adversité. Parce que c'est en ce moment-là que tu révèles, que tu manifestes, que tu as véritablement l'onction. Ah, le frère souffre beaucoup, mais il garde le cap. On parle beaucoup de mal de lui, mais il est dit, tiens fort. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Non, son foyer traverse les tumultes, mais il reste ensemble. Ah, ce couple a l'onction. Cette famille a l'onction. Un des enfants s'est rebellé, mais la famille est soudée dans la prière. Et tous les jours, comme Anne et Siméon, la prophétie tarde. La
destinée tarde à s'accomplir. Mais il quittait point le temple. 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 Alléluia. Elle est levée demain. Réclame l'onction authentique. L'onction authentique par la Dieu. L'onction authentique. Remplir mon cœur. L'onction qui peut passer par le feu. Reste onction. Tu passes par le feu, mais tu demandes où est. Ta famille passe par le feu, mais vous demandez où est. Vous êtes éprouvé, mais vous êtes moins. Qui change tout. Ah, Shekarimama Kayabasanda. A ti, Shadarima Kosolo. Qui change tout. Donne cette onction authentique, Seigneur. Qu'un zèle nouveau vienne. Donne-nous cette onction authentique. Donne-nous cette onction vraie. Donne-nous cette onction. A ti, feu ce matin. Donne-nous cette onction, Yahvé. Amène-nous à ce niveau d'onction. Qu'un zèle nouveau vienne. Par la fausse onction. Par la fausse onction. Par l'onction de la facilité. Par l'onction de la rapidité. Et l'onction qui passe par le trajet. Qu'un zèle nouveau vienne. Remplis mon cœur. Qui change. Attise ton feu qui brûle en moi, qui change. Qu'un zèle nouveau vienne remplir mon cœur, qui change tout. Attise ton feu qui brûle en moi, qui change tout. Qu'un zèle nouveau vienne. Jésus. Bien-aimé, nous allons encore prier. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais nous allons être sur un sujet de prière. Lorsque Élisée suivait Élie pour recevoir cette onction authentique, Élie l'a fait passer par quatre étapes. Premièrement, Gilgal, le lieu de la circoncision, où ce qui ne correspond pas avec la nature de Dieu doit être coupé et jeté à la poubelle. Tout mauvais caractère, mauvaise attitude doit être coupé et jeté. Deuxièmement, il est passé par Bethel, là où Jacob a bâti un autel, l'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice, il est passé par le sacrifice à Bethel. Troisièmement, il est passé par Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où il y a eu la guerre. La guerre au combat spirituel. L'onction va mener le combat spirituel. Tu ne peux pas recevoir l'onction à ce niveau d'ailleurs si tu ne mènes pas et tu ne traverses pas. Jéricho est fermé, barricadé, mais tu dois conquérir Jéricho. Quatrièmement et enfin, par le Jourdain. Si tu traverses Jéricho, tu vas arriver sur le fleuve. C'est le lieu du baptême. Jean baptisait tôt au Jourdain. Mais moi, je baptise du feu. Du feu, et il faut traverser le Jourdain. Tu vas prier pour ces quatre étapes pour entrer dans la plénitude de l'onction. Seigneur, aide-moi à traverser. Aide-moi à traverser Gilgal. Aide-moi à traverser Bethel avec tout ce qu'il représente. Aide-moi à traverser Jéricho. Aide-moi à arriver au Jourdain. C'est le lieu de la traversée. Quand tu traverses le Jourdain, tu n'es même plus la même personne. Tu ne reviens pas avec la même nature. Alléluia! Elle est ta voix et prie pour ce sujet. Manifeste-toi, Père.